Bonjour. J'ai fait cette vidéo pour monsieur. Il m'a dit il trouve l'huile moteur dans la bouteille d'eau de refroidissement. Il m'a dit où les problèmes. Le problème, c'est qu'il y a une pièce qui s'appelle réfrigérant ou réfrigérateur ou refroidisseur. Yani, il y a beaucoup de. Yani, du nom pour cette pièce-là. C'est une pièce qui mélange entre l'huile et l'eau. Dans cette pièce, il fait pour refroidir, pour refroidir l'eau et l'huile ici. Ça, et maintenant, il y a deux, il fait des choses cette pièce-là. Il entre l'eau et l'huile. Il ne faut pas mélanger ensemble. S'il y a un défaut là-bas, un trou ou quelque chose comme ça, il va, parce que la pression d'huile est plus pression que l'eau. Il entre, il sort, il va à la bouteille d'eau là-bas. C'est ça le problème. Si c'est une refroidisseur, il faut changer cette pièce complète. Il y a, voilà, trois boulons. C'est très simple, trois boulons. Voilà, trois boulons et deux litres d'eau. Ça, cette pièce, il faut le changer complet. C'est un support de filtre, ça. On s'appelle, où se trouve le filtre à huile. Ça, cette pièce, il mélange l'eau et l'huile. Et l'huile, il sort l'huile à la bouteille d'eau. Dans la voiture. Si tu trouves de l'eau, de l'huile dans la bouteille d'eau, il faut changer cette pièce-là. Parce qu'il est, ça arrive pour la distance, il y a un trou dedans, ou quelque chose comme ça, il est poré, ou il y a un problème dedans. Ça, dans le moteur, Nissan, moteur Trafic, ou Laguna, ou Master, ou il y a dans beaucoup de voitures, se trouve cette moteur-là. Il faut changer cette pièce-là, se trouve ça. Il y a trois boulons, c'est tout, et deux litres d'eau. C'est très simple pour les changer. Ça, où se trouve le problème. Et après, il faut nettoyer les circuits d'eau dans les moteurs. Il faut nettoyer avec l'appareil ou avec de l'eau et un peu de pétrole ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça le problème